bien et passer une très far horizon far by the west. Et donc là on part sur une mission annexe qui s'appelle la. On va aller dans un certain village. Un certain village qui s'appelle Cantilène sont attaqués par des pillards ténacles. Ils ont besoin d'aide, sans aide, ils vont être dans la merde. Donc on y va. Ouais, c'est parti. Inutile de bavarder. Ça c'est étrange. Oh, ça réveille. Fais attention, étrangère. Bonjour. Une ruine de l'ancien monde. Je pourrais trouver quelque chose d'utile à l'intérieur. Je devrais jeter un œil. Alors, il y a quoi ici ? M'aider. Alors qu'est-ce que ça donne?
sûr, je n'ai pas pendant mon séjour. Pourquoi je fais ça quand je suis en route? J'ai maintenant la sensation, comme tu dis. Sans dragonner trop longtemps. Oula, t'avais un dragon toi. Des éclats de métal. Ok. S'accrochera pas à ça. Intéressant. Fais quoi toi qu'on s'est pas vu? Ça a l'air d'être une station. Ça peut aider. Attendez. On dirait que cette porte a besoin d'une sorte de module de clé pour s'ouvrir. Tirer ça. Bon, alors il faut qu'on trouve un truc. Ok. Je me demande comment je peux faire pour l'atteindre.
construction de la station. Merci de pas me laisser en réunir 30. Ancien wagon. Oh. Je me demande s'il peut encore bouger. Ah putain, d'accord. Ok. Je me disais, mais comment on rentre là-dedans? Voilà la relique. Je vais
détacher délicatement cette lume verte. Il fait quoi cette commande ? Apparemment, ça contrôle les rails. Je déplace. J'ai découvert une ruine antique, donc j'essaie de savoir ce qui se passe là-dedans parce qu'il y a des secrets. Alors là, ok. Enfin la clé. Un module de clé. Enfin. Parfait. On va pouvoir continuer. Hop. Alors. On est là. Hop, parce que tu vois, on a la porte là qu'on doit ouvrir là-haut. Qui va nous permettre justement de monter. Allez, saute. Tu veux quand même sauter là, quand même, tu te fuis de moi là. Quand même, allez. Et voilà. Alors,
comme j'avais expliqué au départ, le code c'est 1623. Il y aura peut-être quelque chose pour m'aider dans le coin. Ouais, c'est écrit sur la porte au départ, je l'ai montré. Loupé. Et tu te payes ma tête, c'est ça, en plus. Non, putain, qu'est-ce qu'il prend là ? Ça marche pas. Apparemment, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est bien 1623. C'est quoi, c'est pas 1623 là, voilà. C'est quoi alors? C'est 3626 et à l'envers. Qu'est-ce qu'il nous dit alors? Ah là là, purée, qu'est-ce que je vais mettre comme code moi? Non, c'est pas ça. Attends, il vient de me dire qu'il a fait code, c'est au niveau de la machine, je comprends pas là. Loupé. Bah, loupé, c'est pas de ma faute, hein. Apparemment, non. Non, c'est pas ça. Loupé. Putain, c'est écrit 1623, c'est pas ça, super. Voilà. Alors... Bon, 2613, allez hop. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah, ça marche pas, mais t'as mis quoi comme code? Putain, normalement c'est ça, ouais. Je comprends pas, l'autre il a changé de code et il dit que c'est pas ça. Loupé.
changer le code d'entrée pour qu'il corresponde à l'année de construction de la station. Alors c'est peut-être pas la maison, ça serait une... Ouais, mais non, la station c'est pas possible. Putain, il a mis quoi comme code le mec? Il y a rien du tout qui puisse me permettre de me donner un truc. N'est pas indispensable pour ton poste. J'ai jeté déjà un coup d'œil à l'extérieur de la station. Bah, je viens de le faire, c'est difficile à rater. Ça me dit rien qui va ici. Alors là par contre j'allais fouiller à droite à gauche, on va aller voir, il y a peut-être des trucs. Hein. On a trouvé une date mais c'est peut-être pas celle-là. Des griffes serrées et armées jusqu'aux dents. Elle est conçue pour tuer. Une date et c'est pour ça, génial, 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 génial. Alors là par contre là il faut que je trouve d'autres indices. C'est quoi? Putain, je suis con. Mais oui, j'ai pas réfléchi. Putain, je sais c'est quoi. C'est pas un 6. Si vous regardez bien les lettres, la lettre elle est tombée. C'est pas un 6, c'est pas 1623, c'est 1923. Putain, la lettre elle est tombée. Bah oui, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver le code depuis tout à l'heure. Alors, j'ai pas réfléchi sur le coup. À mon avis, il y en a plein qui vont se faire baiser la gueule. Oh putain, j'ai pas réfléchi. Bah oui, je suis con, le 9 il est tombé. Oh, putain, je vois que de si maintenant. On y voit que dalle. Et voilà le truc tout court. C'est pas 1623, c'est 1923. Putain, quel con. Non, putain, mais pourquoi elle saute pas comme il faut? C'est pas possible. Le marron, c'est du...
super. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais fouiller ça. Est-ce qu'on va pouvoir défoncer ça, peut-être? Les rails sont alignés avec le virage maintenant. Les rails sont droits maintenant. Sinon, les rails courbés. C'est bon. Et voilà, impeccable. Encore une de ces reliques. Je ferais mieux de le prendre. Peut-être que je saurai quoi en faire plus tard. Et voilà, fini. Bon, maintenant, si vous avez là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je devrais peut-être fouiller un peu plus les environs. Pour voir si je peux trouver autre chose. C'est vrai. Déjà, j'ai vu qu'il y avait un feu là-bas, ouais, on va prendre le feu de camp. Oh la vache, il y a des bestioles là-bas. Ok. Donc on va à... Cantilène. On revient sur notre mission principale du coup. Je vais garder cette lune verte pour une occasion spéciale. Ah.
derrière les bonbonnes. Arrive au village. Alors... C'est bizarre ça. J'ai trouvé un truc qui m'intéresse. Ouais. Donc là. Ça sent mon V2. On dirait que quelqu'un a des ennuis. N'hésitez pas à vous encercler. Voilà. N'hésitez pas à vous encercler. Repoussez-les! Ils ne doivent pas passer! Vous sentilez! Merde, c'est quelqu'un qui est avec moi. Viens par là! Ne laissez pas vous encercler! Oh, ils sont plus forts que je les avais vu pareil. On dirait que quelqu'un a des ennuis. Tu te sens bien? Oh, il est. Oh.
trouver celle-là. Gardez ces sourires pour vos familles. Les Ténac ne comprennent que la force. Et la nôtre fait bien pâle figure. Ils vont revenir. Toi, celle qui nous a fait gagner ce combat. Viens par là. Je veux que tout le monde fortifie le col. Ah, tes guerriers ont l'air... aussi bleus qu'un ciel d'été. Ce sont des enfants qui jouent avec des bâtons. Ce sera déjà bien de les garder. Et le pire est encore à venir. Jusque-là, les rebelles n'ont envoyé que des éclaireurs. Mais ils ne tarderont pas à revenir pour un assaut en bonne et due forme. Et s'ils emportent des machines avec eux, il nous faudra bien plus que de l'enthousiasme pour vaincre. On dirait que tu en sais beaucoup sur les tactiques des Ténac. Quand les clans Ténac ont repoussé les pillards Karja, j'ai rejoint le combat. Les Ténac t'ont appris à combattre ? Plus que ça, ils m'ont appris à travailler le métal. Je suis sans doute le seul Outaru à savoir faire ça. Je n'aurais jamais cru que j'utiliserais un jour ce que j'ai appris contre eux. On peut parler librement ici. Alors, quel est le plan ? Le plan, c'était de faire des armes pour mes prétendus. Putain, par contre, ton arme, moi, je veux bien l'avoir. J'ai envoyé mon meilleur grimpeur, Vos, collecter des matériaux au sommet du Bendir. Les grandes bouches lâchent les capsules métalliques qu'il nous faut au sommet. Mais le dysfonctionnement les a rendus aussi redoutables que l'ascension. Vos n'est pas encore rentré. On a des défenses à installer, et on n'a plus beaucoup de temps. Si la sauveuse de Méridian acceptait de nous prêter main forte un peu plus longtemps... je pense que tu peux trouver ce qu'il nous faut. Tu sais qui je suis. Une rousse, un arc. Tu es capable de te battre comme dit guerrier. Tout le monde te connaît. Tout comme ton petit désaccord avec le cœur. Et si Mélopée vous aide ? Mélopée a abandonné tous les territoires qui sont isolés. Alors pourquoi ne pas partir ? Vous êtes peu nombreux et mal équipés. Vous pourriez partir, vous mettre à l'abri. As-tu déjà vu une fleur si petite et si blanche, que quand elle tombe, c'est comme un flocon au printemps ? Ma fille les appelait des champs d'hiver. Elle a gardé les graines de ses fleurs jusqu'à son dernier souffle. Ces graines poussent aujourd'hui dans le bosquet, au cœur de Cantilène. Je les ai plantées moi-même. Comme les graines de tous nos frères et de toutes nos sœurs, qu'on nous a arrachées lors des raids rouges. Nous, moi, je ne les abandonnerai pas. Dis-moi plus sur ces capsules métalliques. Elles sont dures à récupérer. Les grandes bouches les sèment. Il faut être assez rapide pour les ramasser avant que la terre et l'eau les emportent. Mais leur métal est parmi les plus solides que j'ai jamais tissés. Sans elles... nos chances de survie s'amenuisent. Si je ne peux pas te convaincre de partir, on va devoir fabriquer des armes. Merci infiniment. Pas de temps à perdre. Suis-moi. Par ici. Oui,
c'est parti. Avec ces capsules et une bonne dose de chance, on s'en tirera peut-être. Espérons que ces jeunes pousses tiendront le coup face à une horde de machines. Je peux pas être partout à la fois, mais je ne suis plus aussi souple qu'avant. J'ai l'impression qu'ils tiennent tout autant que toi à rester ici. Ce sera le combat de leur vie, ça ne fait aucun doute. On y est presque. Le mieux serait de cacher ceux qui ne peuvent pas se battre. Mais si nous tombons, les Ténacs finiront par les trouver. Nous y sommes. Nous y sommes. Est-ce que tu as des questions ? Les capsules, on vient de les faire. Bon, c'est rare, je suis prête. Bonne chance. Viens me voir à la forge quand tu auras terminé. Ok. On va se mettre ça. Je ferais mieux d'essayer de grimper au sommet. Trouver un moyen d'aller là-haut. Alors là, on a un trésor. Que je vais pas pouvoir continuer par là. S'il y a des tunnels ici, il devrait y en avoir sous l'eau. Ils peuvent peut-être me mener à un accès vers le haut de ces grottes. Ok. On va faire la plongée sous-marine. Thank you.
bourse de ces Vos. Des blessures causées par des machines. Cette bourse, elle contient des graines. Pour planter un continent. Après la rapporteur. La machine serait bien amochée avec des graines. Vendre cette lune verte. Tirer sans munitions.
Ça réveille. Alors, allez où l'échelle? Oui, là, ok. Simple prévu. N'hésitez pas à utiliser votre focus pour faire le truc. Choisis le bon moment, tu dois pouvoir sauter et me servir de mon attracteur pour atteindre l'autre côté. J'ai réussi. Je dois trouver ces grandes bouches.
Les voilà. Ces capsules qu'ils éjectent, c'est sûrement ce dont Q a besoin. On dirait que je ne peux les prendre qu'une fois au sol. Si je suis assez discrète, je pourrais les prendre sans me faire repérer par ces machines. Thank you.
je le mets. Je suis mal.
Et nous revoilà, cela fait plus d'une heure et ils ont dû couper à mon avis encore. J'ai ce que tu recherchais. Bevos. J'ai rapporté sa bourse de graines. Mais je dois préparer les armes maintenant. Espérons que ça suffira. Il le faudra bien. Allez, en position. En l'œil. M'en occupe.
Que ces gamins savent viser, finalement. En tout cas, on te doit cette victoire, chasseuse. Ce sont ta stratégie et ton équipement qui l'ont permise, Q. Je n'ai pas apporté grand-chose. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu prennes ceci. Ça a été utile à mon peuple, et ça te sera utile. J'en prendrai bien soin. Sois prudente. Tu peux être sûr et certain que j'en prendrai soin aussi. Génial. Ma merde. Bon ben voilà, ainsi s'achève notre fameuse mission. Les cercles de pression sont réservés pour porter puissant les souris qui sont utilisés. Je ne suis pas prêt. Bon ben voilà, alors nous avons fini la mission, on va aller fouiller tout le monde maintenant. Regardez les points de compétence que nous avons. Parce qu'on en a pas mal. On en a 5. Guerrier, trappeur, on a fait chasseur, on n'est pas très loin de l'avoir fini. Et sinon... Ça peut être bien. Voilà, avec un tiré 5 là, à l'horizontale. Attention, étrangère. Ces plantes ne font que du mal. Prochaine mission. Sister. Ah. Besoin de savoir niveau 25. Ouais, d'accord, ça. Ah, ça c'est pour retourner voir Chavad. Ok.
T'inquiète. Je crois qu'à ça c'est niveau 32, donc je peux pas ça, il doit y avoir un nouveau truc. Ah bah ouais. C'était le truc qu'on a trouvé tout à l'heure. Ok. Ensuite, alors niveau machine, bon c'est toujours pareil, tunnelier, galogriffe, pentacore, lui il est chiant pentacore, non par contre. Géographie des personnages, alors on en était où nous? Héphaïstos, Terre, Apollon, Arménite. Ça c'est l'arme qu'on a trouvé. Je sais pas à quoi ça sert, on verra plus tard ce que ça donne. Ça c'est ce qu'on avait au départ. Vous savez, là le jeu est très très... Est-ce que vous pouvez voir? Voilà. Voilà. Vos tenues, on a maintenant. Tiens, le grand dame, prochain nous a fait au fur repérer, attaque silencieuse, ok. On a un coup critique à 10%, ouais, ça c'est pas mal. Adhésif, ok. Dégâts d'impact aussi, ça c'est pas mal. Attendez, bah justement ça tombe bien. Comme on a équipé lui. Ah merde, rien à voir. Ouais. Piège à voix pur, choqué. Ressources, c'est toujours pareil. Prochaine quête qu'on va faire. On va aller ici. Ouais, comme ça on va se rapprocher le plus près possible de l'autre. D'accord. Quoique je pourrais peut-être faire des fouilles ça quand même.